on se retrouve pour un samedi soir avec Mikey. Donc un samedi soir avec mon chat. Voilà, parce que comme je vous disais, j'ai décidé de reprendre ce format parce qu'il est trop bien, il est trop sympa et moi j'adore être avec vous le soir aussi. Vraiment pas que la journée, mais c'est vrai que c'est trop agréable d'être ensemble le soir, donc me voici, me voilà. D'ailleurs c'est bientôt les dernières vidéos avec ses cheveux, parce que ce soir, mon coiffeur m'appelle pour qu'on pose mes extensions. Donc pas ce soir, mais en gros là on va tout définir ensemble ce soir. Donc voilà, je suis trop contente. J'espère que vous ça va, et oh, moi ça va la team. Un petit peu de body shaming comme d'hab hein, sur Instagram, mais ça faisait longtemps. En général c'est justifié par, on met des guillemets à la team, par en général le port de choses moulantes. Voilà, si je mets des débardeurs et que j'ai le malheur de pointer des seins, des tétons, et bien là, je peux vous dire que c'est mon quart d'heure, voilà. Donc c'est ce qui s'est passé aujourd'hui, mais j'ai décidé d'être plus forte que ça. Et que, vous savez quoi, on va pas en parler en fait, parce que c'est des hommes genre complètement ailleurs. Enfin, je veux dire, la team, heureusement que tous les hommes ne sont pas comme ça. Mais là, je vous parle, c'était des hommes en soi, des commentaires d'hommes, qui disaient genre, t'as pensé à faire une implantation mammaire? Ou... t'as des gants de toilette parce que tu mets pas de soutif, ou alors c'est marrant, tu pointes, on t'excite. Et j'étais là genre ah là là, allez la team, c'était voilà, j'avais besoin de partager ça avec vous. J'étais un petit peu énervée, mais ça s'est calmé assez vite hein. Il m'a suffi d'un petit verre en terrasse avec ma copine Alix pour remettre les idées en place. Voilà, ça m'a fait du bien. Alix Grousset, ça vous dit quelque chose peut-être? Et ben c'est ma copine, figurez-vous. Et on a pris un petit verre ensemble, c'était super sympa. Voilà, on allait vers Opéra, c'était sympa comme tout. Et puis là, bah, on se retrouve avec Mikey, hein. Mikey. Avec Michael, qui n'a pas envie d'être avec vous finalement, donc je vais le reposer tout de suite. Non, il a juste pas envie d'être dans mes bras. Alors, pour celles et ceux qui se posent la question, Michael revient de plus en plus dormir avec moi, donc je suis de plus en plus heureuse, hein. De ça, ça me fait plaisir Michael, ce matin, ça m'a fait plaisir de me réveiller avec toi. Il me donne un peu chaud par contre avec son poil là le matin quand il fait chaud maintenant. Mais c'est toujours un bonheur de l'avoir avec moi, donc je suis très contente de l'avoir retrouvé. Bon c'est pas tous les soirs, mais il revient de plus en plus, voilà, dans le lit et tout ça. Donc ça je suis super contente. Écoutez la team, déjà on va commencer par s'allumer nos bougies. D'accord, parce que c'est la base. Donc ça, c'est une bougie qui sent le coton. Enfin, genre lessive un peu, vous voyez. Elle sent hyper bon. Ensuite, ça, c'est ma nouvelle petite bougie. Avec des petites fleurs dessinées dessus. Elle vient de chez Flux. J'aime beaucoup ce magasin, comme vous le savez maintenant. D'ailleurs, ça fait longtemps que je n'y suis pas allée. J'aimerais bien y faire un petit tour. Voilà, en tout cas ce qui est sûr c'est que si je trouve des choses, je vous ferai un haul. Parce que j'aimerais bien apporter des petites nouveautés en termes de petite déco, hein. Je vous parle de toute petite déco. Mais me faire un petit kiff décoration quoi. Vous me connaissez, j'adore ça. Et puis ça fait longtemps quoi. Elles font vraiment l'affaire je trouve. Et je vais vous montrer aussi, je me suis fait un cadeau de... Oh là ! Je me suis fait une cadeau de fin de tournage moi. J'ai décidé désormais que dès que j'avais un rôle et que c'était la fin du tournage, je m'achetais des fleurs. Donc je vais vous montrer, je me suis fait un bouquet de fleurs. Bon, c'est des petites fleurs que j'achète au supermarché, on va pas se mentir. Mais je les assemble moi-même. Et du coup, là, je me suis fait un petit mélange. Et je trouve ça super joli. Je me suis fait un petit mélange de roses, de différentes couleurs. Donc j'ai mis du rouge, j'ai mis les roses et blanches et les roses classiques. Voilà. J'aime bien dans ce petit vase comme ça. Et ne vous inquiétez pas, c'est toujours en hauteur pour que Michael ne puisse pas les avoir. Ouais, c'était mon petit cadeau de fin de tournage. Parce que quand même, quoi, ça se fête. Voilà. Et j'étais... Bah écoutez, ça s'est super bien passé le tournage. Franchement, ils étaient contents. Moi, s'ils sont contents, bah je me dis que j'ai bien fait mon travail. Donc, que tout va bien. Je ne vais pas overthinker, machin et tout. En vrai, ça s'est très bien passé. C'était super sympa. Ça sort en novembre-décembre, un truc comme ça. Donc de toute façon, je vous tiendrai au courant hein, la team. Mais écoutez, non, le job a été fait. Hein. Le job a été fait. C'est cool. Et je suis contente parce qu'il n'y a pas eu énormément de prises.
ça s'est fait assez bien. Je me suis assez vite mis dans le truc. Et c'est cool parce que je sens une amélioration à ce niveau-là de ma part par rapport à d'autres petits rôles que j'avais eu avant. Et donc ça, je suis vraiment très positive dessus. Donc j'ai hâte de, d'en faire d'autres et d'autres pour m'exercer en fait tout simplement. Il faut bien que j'apprenne aussi parce que on en a beaucoup appris ça à l'acting, à l'école d'acting, mais c'est vrai que quand vous êtes vraiment sur un tournage et qu'il y a 50 personnes autour de vous qui attendent que vous fassiez votre truc, bah il y a la pression en fait. Et du coup moi ce que je veux apprendre c'est à gérer cette pression là. Mais allez savoir, ça s'est très bien passé là cette fois-ci parce que je vous avoue sur les autres tournages j'avais pas mal la pression. Ça s'est très bien fini hein, mais j'avais la pression quand même. Et là, pas trop. Donc je commence à... Voilà, donc il faut que ça continue. J'espère qu'à la rentrée on va m'annoncer des bonnes nouvelles à ce niveau là parce que j'aimerais continuer à... parfaire tout ça quoi, vous voyez. Donc voilà, là ma question c'est qu'est-ce qu'on va manger. J'ai fait un petit tour dans ma cuisine, je sais pas du tout. Je mange de mieux en mieux et ça je suis vraiment très contente. Je suis retournée pas mal à la salle aussi, donc ça me fait plaisir. Et voilà, je me suis acheté ma tenue de tennis aussi aujourd'hui. J'ai commandé mon sac de tennis aussi sur Vinted, je l'ai trouvé sur Vinted. Genre il était à 45€ au lieu de 150, 200, un truc comme ça sur le site. Donc je suis trop contente. Parfait état. Alors en termes de yaourt, il y a ce qu'il faut, hein. Mais alors en termes de... J'ai mangé des œufs tout à l'heure, je vous avoue. C'est que des trucs très sains et tout. J'adore, hein. Mais pour un samedi soir, j'ai pas envie de commander, quoi. Je me suis jurée de faire des économies et de ne pas commander. Et j'ai très envie de commander quand même. Ça fait hyper longtemps que j'ai pas mangé de sushi, mais c'est que... Ça me constipe à un point. Après, je vais le payer pendant 3 jours. J'adore mon chat. Je pourrais rester toute ma vie avec lui. Vous pouvez pas savoir. Hein, Mikey? Oui, moi aussi, je t'aime. Écoutez, ça nous dit pas ce qu'on va manger, la team. Ça nous dit rien du tout, là. Hier soir, j'ai dîné avec mon meilleur ami. Voilà. C'était trop bien. On a dîné tous les deux. Et voilà, quoi. Mon meilleur ami s'est fait quitter par sa copine, donc c'était un peu là, il fallait... Vous voyez, il fallait... En ce moment, dis donc, les couples autour de moi, ça se... Bah comme moi d'ailleurs, bref. On est tous célibataires dans les copains et les copines, ça y est. Sauf une de mes amies qui est enceinte et qui va se marier. Mais alors le reste... Oh, tout le monde s'est séparé. Bah même moi, hein. Enfin moi... Vous me direz, on a l'habitude. Mais ouais, tout le monde s'est fait quitter ou a quitté quoi. C'est quand même assez fou. Ben, je sais pas, c'est l'été. Hein. C'est le changement de saison. Je sais. Ravie de vous annoncer que j'ai racheté ça. En fait, j'ai trouvé dans un magasin un peu loin de chez moi. Parce que je vous explique en fait mon dilemme avec le lait d'avoine. C'est que plus aucun magasin ne fait ce lait d'avoine, ok, autour de chez moi. Donc du coup, il faut que je prévoie le coup d'aller ailleurs et tout ça. Bref, laissez tomber. C'est un peu compliqué pour cette histoire de lait d'avoine. Et du coup, là, j'en ai acheté 3. Je les ai mis dans mon sac de course et je suis partie avec. C'était vraiment ma mission, vous voyez ce que je veux dire. Mais du coup, ça ne nous dit pas ce qu'on mange, la team. Je sais pas. De toute façon, vous et moi, on va discuter, on a plein de choses à se dire. Déjà, j'aimerais que plus personne ne soit inquiet par rapport à mes histoires gynécologiques. Je sais que je vous ai fait flipper parce que j'étais flippée moi aussi. La team, vraiment, soyez rassurés. C'est seulement des choses chiantes à faire et qui nécessitent des opérations, mais vous inquiétez pas, c'est juste chiant, douloureux et beaucoup de convalescence. Ce n'est pas pour tout de suite, je vous en parlerai en temps voulu, mais pour l'instant je peux vivre ma vie pour le moment en étant surveillée. Ok? Voilà. Mais vous êtes adorables, vraiment ne vous en faites pas, je sais que c'est que je vous ai fait peur, parce que bah moi aussi j'ai eu peur, mais je suis en train d'intégrer l'information en fait, et vous inquiétez pas, voilà. Si vous voulez une bonne nouvelle aujourd'hui, voilà. Mais oui, je vous ai fait peur parce que moi aussi j'ai eu très peur. Mais ne vous inquiétez pas, bon, ça me fait toujours peur, mais j'encaisse. Genre là, j'aurais trop aimé, vous voyez, prendre un. Commander au pire dans un restaurant avec un dessert, genre un fondant au chocolat. Vous voyez, c'est samedi soir quoi, c'est censé être la fête. J'arrête pas de manger, genre des trucs hyper sains pour bien digérer, vous me connaissez. Et du coup, là, je n'ai pas d'idée pour ce soir quoi. Bon, la team, j'ai littéralement commandé. Michael. Des frites et un fondant au chocolat. Voilà. Est-ce que ça me rend heureuse? Oui.
un mois. Vous me donnez des frites et du ketchup, je suis la plus heureuse des femmes. Donc, évidemment, Michael est de la partie. Non, non, pas le fondant. Voilà. Quand vous commandez de la bouffe avec un chat, c'est à peu près ça qui se passe. Il a mangé, hein, évidemment. Mais ça l'intéresse énormément. J'ai jamais été aussi amoureux. Et la peur qu'il reste seul jusqu'à la fin de sa vie, c'est quelqu'un de vraiment charmant. Mon dîner était absolument délicieux, sachez-le. Des frites et un fondant au chocolat, Caroline, très heureuse. Voilà, bon, c'est pas... faut pas manger comme ça tous les jours, hein, la team. D'habitude, faut manger des légumes, hein, à tous les repas. Mais bon, je suis personne pour vous donner des leçons, voilà. Hop, mais c'était très bien. Alors là, je me suis régalée, 6 euros de pur bonheur. Je vais me démaquiller, enfin, je me suis pas maquillée. J'ai mis du blush, mais je vais l'enlever. Voilà. Du coup, j'avais plus d'eau micellaire. Du coup, j'en ai une de Yves Rocher. Une mini que j'avais eue dans le calendrier de l'Avent. Et ça me sauve. Écoutez, elle est très bien. J'essaye de... de prendre du recul. Voilà. Sur plein de choses, et notamment... en fait, ça m'a un peu saoulée. En fait, ça m'a un peu saoulée cette année. Bah, du coup, je suis quand même sortie cette année avec deux garçons, deux hommes. Et bah, clairement, je. On va pas se mentir, la team, je regrette. Voilà. Je regrette d'avoir. C'était pas des bons choix et c'était au final pas des bonnes relations. Et donc ça me saoule un peu parce qu'en vrai j'aurais voulu plutôt rester neutre, vous voyez, plutôt que de me donner du mal pour des hommes qui vraiment n'avaient rien à foutre chez moi, quoi. Mais j'essaie de me dire que bon, c'est pas très grave, ça n'a pas duré très longtemps, ça m'a pas pris beaucoup de temps quand même dans ma vie. Oui, moi je suis rentable, je veux que tout soit rentable, laissez tomber. Voilà, j'essaie de me dire que c'est pas grave, mais quand même... Ça me travaille un peu, voilà. Je me dis que peut-être que j'aurais mieux investi mon temps avec mes copines, avec même moi-même, enfin juste moi, quoi. Peut-être que j'aurais fait plus de choses. Je sais pas, peut-être que je me serais plus investie dans mon écriture, mes trucs. Enfin, vous voyez ce que je veux dire? Je suis un peu en mode... dommage du temps perdu. Alors la team, quel masque on choisit ce soir? Acide hyaluronique ou collagène? En vrai, on fait tout le temps le collagène le matin. Donc ce soir, partons sur acide hyaluronique. Donc c'est cela. Alors vous me demandez tout le temps, la marque c'est Marie and May. Mais je sais pas si je fais bien le focus en fait. Marie and May. Et je les achète sur Yes Style. Comme ça se prononce. Voilà. Et j'aime bien, je les trouve vraiment très efficaces là, pour être honnête avec vous. Voilà, hop. De toute façon, on va se faire une vidéo sur la skincare coréenne, vous et moi, vous allez voir. On va s'y mettre. Parce que ça fait, je sais plus combien de temps ça fait 3 ou 4, 4 ans plutôt. Ouais, je crois que j'ai dit une bêtise aujourd'hui, je crois que ça fait 4 ans que j'en fais. Attendez, 2020... 2021. Ouais, ça fait presque 4 ans, je pense, que je fais la skincare coréenne et que je m'y suis mise. Donc, je voulais vous faire une revue, en fait, où je vais faire une commande de tous les trucs que j'ai testés et tous mes avis sur, voilà, sur tout ça, mes sites où j'achète et tout ça. Je suis pas du tout payée pour en parler, la team, vraiment, pensez pas qu'il y a une collab derrière ça ou quoi que ce soit. Parce que parfois, je sais qu'il y a des influenceurs qui vous disent, genre, on en parlera dans une prochaine vidéo et en fait, c'est un sponso, donc... En vrai, je peux comprendre après que vous ayez moins confiance et tout. Mais comme vous le savez, il n'y a toujours pas de sponsor sur YouTube. Et sur Instagram, si jamais il y a des sponsors sur des produits, et non des services, donc sur des produits, toujours des marques que j'ai testées pendant très longtemps, etc. Où je vais vraiment tout regarder sur la skincare coréenne, tout ce que j'ai testé, je vais vous faire tous mes retours et tout ça, et je vais vous expliquer comment ça marche. Voilà. Voilà la team. Bah tiens, on va faire ma commande de skincare pour ma vidéo YouTube ce soir. Et je ferai un petit unboxing sur TikTok et Insta si ça vous tente de voir.
parce que c'est vrai que c'est toujours assez intéressant. Moi j'aime beaucoup les revues de skincare coréenne. Et là on part sur Petit Masque. Il faut que je choisisse le film que je vais regarder ce soir. Voilà quoi, c'est samedi la team, on est tranquille et ça fait du bien. Et Michael est très présent jusqu'à maintenant, vous l'aurez remarqué. Et bah il régale, Michael régale, voilà. C'est un bon chat, c'est un bon chat, c'est un très bon chat. Ah bah ça a l'air d'aller par ici, hein monsieur Michael? Oui, il est étiré de tout son long. Ah, tu es magnifique. Ça, ça veut dire que... Ça c'est la position des chats qui sont à l'aise. Les chats se mettent comme ça, et ben, ça veut dire qu'ils sont en confiance. Oh là 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 là. C'est trop mignon. Est-ce qu'on peut savoir ce qui se passe par ici? Michael vient de faire tomber ma pile de linge propre, qui plus est, que j'avais pas encore rangé ici. Voilà. Je suppose une mouche. Donc je viens de passer une heure sur les sites de décoration. Tout ça pour au final acheter des verres jolis pour mes cafés glacés et mes matcha. Voilà. Une jolie commande en tout cas. Très utile. Hein. Évidemment très utile, hein, vous vous en doutez. On est dans l'utilité là. Eh ben écoutez, peut-être pouvoir regarder un film maintenant. Ah non, mais je suis contente. C'était pour faire des jolis moments du transfert, c'est pour ça. Tout roule par ici, en tout cas la team, tout roule. Et c'est agréable quand tout roule, n'est-ce pas? Personne ne me contacte, personne ne me parle. Je n'ai reçu que très peu de choses, à vrai dire. Très peu de contacts ce soir. Et ça me plaît. Je suis avec le cher Michael. Ok la team, j'étais en train de mettre canal. Il y a clairement quelqu'un qui utilise mon compte. Parce qu'il ne me semble pas regarder la Ligue des Champions, en fait. Il ne me semble pas avoir regardé le match qui opposait Dortmund contre Madrid. C'est signé ça. Si elle fout, c'est signé d'utiliser mon compte canal. Il ne me semble pas avoir regardé un reportage sur les grenouilles. Il ne me semble pas non plus avoir vu Oppenheimer. Ah non, mais là, je suis verte. Ah là, je suis verte comme la Tini la grenouille, hein. Dans le reportage, visiblement. Non, mais je... Est-ce qu'il y a un historique? Napoléon? Non, j'ai pas vu Napoléon. Il y a une erreur. C'est quoi cette histoire de documentaire animalier? Non mais, je n'ai pas vu Oppenheimer, donc c'est une preuve. Puis le foot, non mais le foot, la team, le foot. Hein, le foot. Qu'est-ce t'en dis toi, mon cher Michael? Est-ce que t'as eu connaissance de ce genre de choses, toi? On se fout de notre gueule, Guy, mais on se fout de notre gueule. La semaine dernière, c'était Disney+, là c'est Canal+. On marche sur la tête. On marche. Est-ce qu'il y a écrit bonne poire? Est-ce qu'il y a écrit la bonne poire? Bah oui, je suis une bonne poire. Non mais de toute façon, moi je suis qu'une bonne poire. Putain. Ah, j'en reviens pas. Ah, j'en reviens pas. Limbo, j'ai pas vu ça. C'est un film policier, j'ai pas vu. Non mais on se fout de ma gueule, encore une fois. Hein. Il y a écrit pigeon, il y a écrit... crime à la une. Ah non, après je vais avoir peur. Je vis seule, n'oublions pas. À chaque fois que je regarde des trucs comme ça, d'horreur et tout, après je regrette parce que je vis seule et dès que j'entends un bruit, je me dis ça y est, il y a quelqu'un qui va venir me tuer, quoi. Je peux pas me permettre de regarder ce genre de trucs en vrai. Il y a les Harry Potter, en fait. Ah, on va partir sur Harry Potter. Ah, parce que vous savez, du coup, cet hiver, comme il n'y avait pas les Harry Potter de dispo, j'ai regardé le 1 et le 2, je crois, et après j'ai arrêté. Bon, du coup, je vais pas vous mentir que là... On va tous se les refaire. C'est un peu surexcitant pour le soir. Mais... Oh, il faudrait quand même que je regarde des nouveaux films parce que en ce moment, ça fait longtemps que j'ai pas regardé de films que je devais voir. D'un autre côté, on est samedi soir, il y a Harry Potter qui est dispo maintenant sur Canal. Quelle bonne nouvelle, j'ai envie de vous dire déjà. Enfin,
enfin on nous donne ce qu'on mérite. J'ai déjà la musique dans la tête, j'ai déjà les... Allez, dites-moi que ça va marcher. J'en ai besoin, j'en ai terriblement besoin. Douce mélodie qui a bercé mon enfance. Il m'avait manqué. Ah non, 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 on veut pas d'anglais, nous. On est ici pour avoir la voix off d'Harry Potter et compagnie, nous, hein. Surtout que c'était des sacrées bonnes voix off, hein. Professeur McGonagall. La team, je viens de faire une pause dans Harry Potter, là, parce qu'il fallait que je fasse pipi, tout ça, tout ça. Dans une optique de plume levée. Jusqu'à ce que je m'endorme, vous avez compris le truc. Et évidemment, l'anxiété est revenue. L'anxiété est en train de venir monter. De se monter, de monter en moi, là. Et il faut que je vous en parle. J'ai l'impression, mais vraiment, que... En fait, c'est trop bizarre parce que je sais que c'est le début et tout ça, mais j'ai l'impression que vraiment, je n'arriverai jamais à être une... à vraiment, vraiment être actrice. Je sais pas comment expliquer. Alors que je me donne les moyens et tout. Je sais pas comment vous expliquer, j'ai vraiment des moments genre où je me sens bien et il y a des moments où vraiment je me sens vraiment pas bien avec ça. Et en ce moment... Et pourtant, j'ai eu des rôles. Je ne sais pas comment expliquer ce que je ressens. Quand je suis en tournage et tout ça, je suis au top, je me sens bien, je me sens confiante. Et après, une fois que c'est fini, et que bah il faut en trouver d'autres, de rôles, vous voyez ce que je veux dire, et bah je me dis que c'est reparti pour le parcours du combattant, et que je vais jamais y arriver, et que jamais j'aurai un premier rôle ou second rôle, vous voyez ce que je veux dire ou pas. J'ai l'impression que... Je sais pas. Que jamais j'aurai ce film, ce truc et tout. Et vous allez me dire, Caro, tu viens de commencer. Et évidemment. Mais vraiment, c'est juste que c'est quelque chose que je veux faire depuis que je suis petite. Et j'ai l'impression que, vraiment, je vous jure, là, là, c'est en train de monter en moi. En mode, je vais jamais y arriver. Je suis nulle et tout ça. Alors que... Mais vraiment, vous avez vu. Il y a quelques heures de ça, je vous disais que ça s'était bien passé et que je m'étais sentie à l'aise et tout ça. Mais en fait, c'est pas tant ma performance, c'est plus le fait de trouver des rôles et en fait, qu'on me fasse confiance, vous voyez ce que je veux dire, et que je corresponde à un rôle, en fait, j'ai peur de jamais correspondre. Mais quand bien même tout ça, vous savez que je suis trop exigeante avec moi-même, et là, j'ai l'impression que je fais juste des trucs... et que ça va plus représenter, en fait, j'ai l'impression que là, plus jamais j'aurai de rôle, plus jamais je retournerai sur un tournage, je sais pas comment expliquer, j'ai des angoisses comme ça. Quoi, j'ai quand même fait 4 ans de théâtre, 1 an d'acting et tout ça, c'est quand même pas mal. Je reprends un cours de théâtre l'année prochaine et tout ça. Et sincèrement, je vais pas vous mentir, je pense que je vais reprendre un cours d'acting aussi en plus l'année prochaine, pour avoir 2 sessions par semaine. Mais je sais pas comment expliquer, malgré tous ces efforts-là, et que je sais que je m'investis et que franchement je donne corps et âme pour y arriver, j'ai l'impression que même avec tout ça, ça marchera pas. La Caroline, entre guillemets, pas angoissée et lucide, vous dira bah ouais, c'est normal, il faut du temps et voilà. Mais là, c'est la Caroline anxieuse qui parle, vous voyez, avec la petite voix dans la tête, les fausses croyances et tout ça. Là, c'est la petite Caroline qui parle en fait, et qu'il faut rassurer. Et j'essaye. Mais je vous jure, c'est dur. Alors que tout va bien, je suis en vacances, je suis avec Michael, je regarde Harry Potter. Mais voilà, j'ai une montée d'angoisse à 1h du mat, quoi. Classique. Et voilà. Mais c'est ma petite voix dans ma tête qui angoisse. Je vais essayer d'arrêter de réfléchir. Je décide d'arrêter de stresser. Je décide d'arrêter de réfléchir. Désormais, je vais redevenir neutre. Neutre aussi dans le travail. On va y arriver. Et mon coiffeur m'a pas appelé, dit Edouard. Et si possible, plus de problème au cul, quoi. C'est vrai que je vous en ai pas beaucoup parlé. En vrai, le kyste au cul, ça va avec la crème. Le temps qu'on aille l'enlever.
Franchement, j'ai passé une année à me demander ce que j'avais au trou du cul. Enfin, excusez-moi, mais voilà. Donc, c'est bon, maintenant que je peux remanger ce que je veux, qu'il n'y a plus d'ulcères et tout ça, j'aimerais bien qu'on termine et qu'on arrête, quoi. Qu'il n'y ait plus rien, en fait. Voilà. Mais ça va. Ça va. Qu'est-ce qui se passe, mon cœur ? Hein ? Ah oui. Faut le prendre positif, les amis. On le prend positif. Et on est positif. On a le droit d'en avoir marre. Mais en vrai, je me dis, bon, ça va finir par... Et je vais pas vivre comme ça toute ma vie. Enfin, ça va finir par partir. Et voilà. Donc, et mon médecin est super sympa. Il est top. Donc, tout va bien. Allez, moi, je vais regarder Harry Potter. Et boire un peu de Contrex. Bon, la team, ça va mieux, je me suis calmée et j'ai trouvé, il me restait un fond de chocolat dans la cuisine. J'avais besoin. Bref. Voilà. Écoutez, la team, je vais vous laisser là-dessus. Je ne sais pas quand je sortirai ce petit samedi soir avec Michael. Je verrai. Qui veut encore jouer. Voilà, il est en forme, hein. Il est 2h du mat, mais c'est pas grave. Ah, tu t'es posée. Oh oui, mon cœur, tu commences à... Oh, il a fait des clins d'œil. Alors certes, il est au pied du lit, quand je dors, et le matin, il est à côté de moi. En vrai, c'est toujours ça de pris. Il se met là. Il est tellement mignon, il est tellement gentil. Je l'aime. Bref, il est temps pour moi de... Bon, bah, je vous souhaite juste une bonne nuit, même si, bon, bah, elle sera déjà passée d'ici là. Je vous embrasse bien fort. Et puis, merci d'avoir été avec moi en ce samedi soir avec Michael. Avec des angoisses, évidemment. Comme d'hab. Vous connaissez la chanson, hein. De toute façon, moi, tout m'angoisse. Donc voilà. Et je pense que je serai toute ma vie très angoissée, mais que je peux apprendre à gérer. Et en vrai, c'est de mieux en mieux. Vous m'avez dit que je progressais. Donc, je perds pas espoir là-dessus. Je sais que je gère de mieux en mieux. Là, ça n'a pas duré très longtemps, on va pas se mentir. Alors qu'avant, ça me pourrissait des journées entières. Donc, je suis contente. En tout cas, on se retrouve... Oh, c'est une jolie vision que vous avez là. On se retrouve dans les vlogs, en tout cas, la semaine prochaine. Voilà. Oh, I love you.